Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour comment avoir Amnesia Home Machine for Pig, donc le nouveau Amnesia, pour Mac, PC et Linux. Donc pour commencer, je vais vous dire que c'est un fichier torrent qui va vous falloir télécharger. Pour télécharger les fichiers torrent, il vous faut un certain petit programme. Donc personnellement, pour Mac, j'utilise Transmission, donc le lien sera dans la description. Je vous mettrai aussi un lien, on peut aussi utiliser uTorrent, mais personnellement, je préfère Transmission. Donc je vous mettrai aussi un lien de transmission pour PC et Linux, c'est à peu près le même fonctionnement. Donc vous commencez par télécharger, enregistrer le fichier. Le téléchargement est terminé. Il vous faut juste le trouver là-dedans, ce qui est légèrement chiant. Bon, on peut faire autrement aussi, on peut direct ouvrir. Voilà, transmission. Donc voilà, transmission, ensuite vous le glissez dans votre bureau ou dans un fichier particulier. Il va se copier, il n'y en a que pour quelques secondes. Et donc voilà, maintenant vous avez transmission. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'autre lien dans la description qui vous mènera à un torrent. Donc si vous ne connaissez pas les torrents, c'est des fichiers qui vous permettent de télécharger des différentes choses. Donc vous n'allez pas dans Get This Torrent. Vous allez ici dans le petit lien bleu dont vous cliquez. Vous fermez les pages comme d'habitude, qui les pop-up, les pages de pub. Vous faites enregistrer le fichier, donc c'est un fichier zip. Voilà. Ensuite, vous l'ouvrez. Donc pareil, il va s'ouvrir sur le bureau. Ou alors dans mes téléchargements. Et là, vous avez Linux Torrent, Mac Torrent, Windows Torrent. Donc vous faites clic droit pour Mac. Après, pour PC, c'est un autre fonctionnement, mais vous aurez le torrent marche. Donc cliquez sur Windows ou sur Linux. Donc vous cliquez sur ouvrir avec transmission. Donc là, il me demande de l'ouvrir parce que c'est une application qui vient d'Internet. Vous faites oui. Ensuite, vous choisissez où est-ce que je veux mettre, où est-ce que je veux sauver mon fichier. Donc, par exemple, vous faites modifier, vous voulez le mettre dans votre bureau. Voilà, donc votre Amnesia Machine for Pigs apparaîtra dans votre bureau. Donc, vous faites sélectionner. Ensuite, vous faites ajouter. Et voilà, votre téléchargement peut commencer. Donc là, le temps est en chargement. Voilà, donc moi, vu que j'ai la fibre optique, j'ai à peu près 1,5 MO par seconde. Sur les points, j'arrive à avoir 2 MO, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ça me prend à peu près une demi-heure. Donc une fois que votre téléchargement sera fini, il sera ici. Là, il est en train de télécharger, donc faut pas l'ouvrir. Une fois qu'il sera fini, vous pourrez supprimer ici avec la petite croix. Et vous n'aurez plus qu'à ouvrir ceci, donc qui est le fichier. Le fichier, après, il n'y aura plus qu'à l'extraire. Donc à faire ouvrir, il y aura un petit chargement qui prendra peut-être 5 minutes. Et après, vous pourrez jouer à Amnesia Home Machine for Pigs. Donc pour vous montrer, je vais arrêter le torrent parce que moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vais nous mettre tout ça à la poubelle parce que j'en ai... Ah, transmission est ouverte. C'est vrai que ça met un peu de temps. La 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 la. Attendez. Voilà, ça bug. Force à quitter. L'application ne répond pas. Bon. Ignorer. En cours d'arrêt, oulala, c'est un peu chiant ça. Donc voilà, je peux quitter Firefox en attendant. Et on va faire une petite. Ah non, c'est bon. Donc c'est fini. Maintenant, vous mettez transmission à la poubelle. Enfin, non, vous le faites pas, mais moi c'est juste parce que j'ai déjà téléchargé le fichier. Donc je vais le télécharger ici. Et pour que vous montrez que le jeu marche vraiment bien, on va le lancer. Donc là, ça c'est pour faire une custom résolution. Vous ne touchez pas, vous le mettez sur le côté. Et là, vous pouvez choisir toutes les options. Donc général, langue française, espagnol, je sais pas ce que c'est, allemand. Italien, ici la qualité vous mettez soit minimum, intermédiaire, maximum, et vous pouvez changer vous-même. Donc intermédiaire, maximum, minimum, j'ai tout mis en intermédiaire, comme ça c'est les qualités graphiques, qualité des textures, des ombres, résolution des ombres. Vous mettez en plein écran ou les résolutions, moi je mets le maximum de résolution et le plein écran, et l'option sonore bah vous pouvez pas changer. Voilà. Donc vous lancez le jeu. Il y aura un petit chargement pas forcément trop long. Excusez-moi, je suis un peu remis, voilà. Donc vous passez les petit truc, les changements sont un peu plus longs que dans Amnesia Direct Descent, donc ça c'est un peu relou. Voilà. Donc vous créez je vais sélectionner mon profil. Et voilà, vous pouvez reprendre votre partie, démarrer une nouvelle, changer une partie, option. Et le jeu marche très bien. Je vais pas vous lancer parce que j'ai un peu la flemme. Mais si vous voulez, vous pouvez aller voir sur ma chaîne les quelques vidéos qui sont sur ce jeu et il n'y a aucun problème, il marche très bien sans aucun règle. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Ciao.